écoutez cette TV, l'art des stars, avec votre présentatrice Cécilia. Abonnez-vous pour ne pas rater les nouveaux artistes. Andy Maka. Internautes, bonjour. Bienvenue sur votre émission titrée l'art des stars, l'émission qui vous aide à connaître les actualités et le parcours des artistes. Avant tout, je tiens à vous informer que notre chaîne YouTube, cette TV, est une nouvelle chaîne et je vous prie de vous abonner pour rien rater sur nos artistes. Le sujet du jour, c'est après le confinement, est-ce que la musique congolaise gardera sa vitesse ou elle va perdre sa vitesse? Mais je demande au réalisateur de balancer quelque chose et on se retrouve juste après cette émission. Ya wili seko shingana kisopeka Mbongo kuhu ya mai ya lwa ya pesa kate Vremo Kola tamakasi baposho na bamushwa Ya wili na mwani eko ki Mandala yo esili Kuro yo kufute la mbongwe Analobi yo kufute la mbongwe Voilà, chers internautes, de retour sur ce plateau et je tiens à saluer Gordon, Jeannot, Kachala depuis Canada. Et laissez-moi vous présenter ces deux invités, c'est avec eux qu'on va parler de notre sujet d'aujourd'hui. À ma gauche, j'ai le manager Joël Master et à ma droite, j'ai mon confrère Chris Bessac. Et... Bonjour Chris Bessac. Bonjour. 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 J'espère que vous êtes intéressé sur ce sujet. On est venu un peu notre confinement, ou après confinement, qu'est-ce que tu penses de la musique congolaise après le confinement? Selon moi, je dirais que c'est l'occasion idéale pour les artistes, pour partir sur la tendance de l'université de Parolier. C'est un moment à dire parce que c'est un Parolier, non parce que c'est beaucoup compliqué, c'est parce que c'est un Je vais retourner le micro à le manager Master, Joël Master. Bonjour Master. Bonjour. Joël Master, vous êtes intéressé sur ce sujet. Vous êtes intéressé. Qu'est-ce que tu dis de la musique congolaise après le confinement? Est-ce que la vitesse va évoluer ou bien la technique va perdre cette vitesse? Parce que quand il y a toujours mon format qui va barre la boîte, mais tout le monde va artiste et va dire si va lui. Est-ce qu'après le confinement, la musique quand même, ça va encore frapper ou ça va. Sincèrement, le sujet d'abord n'est pas intéressant. Donc, il y a fait effectivement quelque chose de qui va toujours la même année. Moi, je dirais, s'il faut répondre, je vais répondre à deux choses. Premier volet, comme Bobby et Chris Mélancoli. Et permet confinement au quotidien, permettre à l'artiste de faire pour la conscience. Pendant le temps, maintenant, on va te. Covid-19, il y a un côté pour affaiblir la musique congolaise. Il y a un côté pour affaiblir la musique congolaise. Plutôt,
et qu'on matérialise encore plus loin. Allez se comprendre. Tous ans, Baba comment tu fais ça? Comment tu ça? Comment tu ça? Comment tu fais ça? Et puis, moi, pour ce que c'est l'émission, il faut comprendre. Et on va. Je tiens encore à saluer ma tante qui est. Je tiens à saluer ma tante depuis Paris. La tante m'a dit Bambo Tébélé, toi tu es en train de suivre Bambo Tébélé. Je tiens à saluer encore tous les artistes de Lina. Tous les artistes de Lina. Je vais retourner le micro à Chris pour lui poser une question. Chris, après ce confinement, parce que si j'ai le dit, c'est pas un confinement, pour trouver un confinement. Pour trouver un confinement, malgré l'émission, ça part pour des artistes à avoir toujours de la trop d'un confinement. Chris, le confinement, selon toi, tu n'en comprends pas. Tous les mêmes sont des artistes, nous demandons des artistes. Quelles sont les artistes qui ont fait tirer la confinement de ce que moi je dirais, premièrement, je ne peux pas présenter. Moi, c'est Chris Bifaka. Je travaille sur la chaîne Tonton Play. Je vais pouvoir rapidement filer et donner ça à la vie. La zone Lio, c'est Phil. Laissons au bas, c'est un peu sur le bas. Premièrement, il y a Fouba Maïba, la charge à l'endroit. Coupé, l'artiste à l'émission. Il est là, il y a qui va commencer. Il y a un qui commence à la parole. Il y a un qui va commencer à la parole. Mais j'ai dit que les sombres. Il y a plusieurs paroles. Les artistes, c'est comme les gens. C'est comme les gens qui quand on nous a félicité, les moyens, pour éviter un peu de finir une bonne route, pour ce qui est un peu de la terre en bois. Donc je dirais que vous allez soit en attente du Lino, vous travaillerez une nombre de jours en Lino. Après, si vous êtes dans Joël Bessaka, qui n'est pas artiste, c'est un peu de soucis. Oui, parce que c'est pas un peu de soucis, c'est un peu de soucis, parce que c'est pas la photo, parce que c'est pas un peu de soucis. Ouais, ouais, ça se voit, ça se voit. Mais c'est pas pour qu'on soit en Canada, parce que moi, je suis à venir. Je vais poser à notre manager, Joël Master. Je vais répondre à notre manager pour lui poser la même question. Joël Master, quelles leçons les artistes doivent tirer pendant ce confinement? Quand tu as utilisé le terme tirage, je suis là. Parce que ce que tu dis, c'est pas un truc maillot. Je suis son manager. Je suis son manager.
Est-ce que Heidi a l'air rappelé votre roi n'a rien normalement? Comparaison à Heidi, et vous savez que c'est l'Indien. Ils me semblent qui est. C'est la poudre du terrassiste. Pour la loi qui est, la version tirée, il a fallu que les artistes ne vont pas là. Je tiens à saluer Heidi, mon artiste, là où elle est aujourd'hui, tout ça m'a fait. Et je salue finalement Kati, Michel, Diallo, et puis Minix Oyo, et là, Bissoté. Bissoté. Président Félix Demoutou, a tient la place Wana, papa Tango Fort, et puis mon cousin, commandant sécurité, qui cause Eboué, boutique. Et mon confrère, voilà, chers internautes, c'est déjà la fin de notre émission, L'Art du Star. C'est déjà la fin, tout en ayant expliqué. Et moi, je tiens à saluer tous les étudiants des Guinéens, sans oublier mon manager Joël Master et toute la famille. Retrouvons-nous au prochain émission.